Yo les gens, c'est Mam la Zizou. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Zelda Ocarina of Time. C'est parti. Alors, il y a une porte là-bas. Ça doit être de la décoration comme d'hab. Voilà, t'es sûr? Ok, alors on était arrivé ici. On voulait voir la princesse Zelda. Pour y aller, bon, cette princesse Zelda, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle a dû appeler, je sais pas combien de gardes. En tout cas, il y en a vraiment une tonne. Il faudra tous les esquiver pour parvenir à cette Hamara. Cette âne, si vous voulez. Alors, Navi, mais qu'est-ce que tu me veux, Navi? Comment je t'appelle, en plus? Et comment on l'appelle? Pas moi, comme ça? Bah, au pire, on s'en fout, les gars. On y va, on s'en fout. En bas, il y a des rubis, mais on va pas y aller, quand même. C'est rien que des petits rubis. Ah! Je me rappelle, j'avais fait l'erreur aussi avant. Voilà. On récupère quelques rubis. Moi, on est passé, hein. C'est ça le plus important. La pauvre Navi, j'ai envie de la répondre, mais... En fait, j'y arrive pas. Bon, tant pis pour elle. Elle avait qu'à se mettre dans une autre touche. On passe ou pas? Oh là, de peu on était mort. Allez, on continue. On va passer par où maintenant? Hop là, par là, vite, 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 vite. Sans se cogner, Link. Arg. Ce mec est aveugle. Vas-y, tu peux te bouger à attendre et regarder n'importe comment. Si tu sais pas. Vite, dépêche-toi, monsieur. Je n'ai pas envie de crever. L'un derrière va me choper. Enfonce. Ouf. Allez, c'est parti. Ah bon, c'était très simple. Nous y sommes. On la voit. Prépare à nous à la tuer. On va saboter ses fleurs. Bordel, on peut pas les saboter. Pas comme dans Minecraft où on peut péter les plantations. Salut idiot. Je t'offre ce poulet. Non. Je t'offre ce poulet. J'ai dit je t'offre ce poulet. Tiens. Genre elle m'a pas entendu. Bon, on va lui parler là. Elle était en train d'observer Ganon, hein. Ganon, si vous préférez. Qui? Quoi qui? Qui es-tu? Enfin, tout le monde me connaît, bordel. Ça va pas me dire que Mario est plus célèbre que moi. Comment as-tu évité les gardes? Oh, c'est quoi ça? Est-ce une fée? Oui, alors, tu es un garçon de la forêt. Oui, 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 mais comment tu sais que je viens de la forêt, bordel? Alors, mais alors, tu dois avoir je l'avais dans la main. Bon, allez. Alors, tu as la pierre, oui. Je n'y tire. J'ai fait un rêve. Donc, rêve des nuages noirs et épais recouvrir la terre. Bon, ça, c'était au tout début du WT. Enfin, du Let's Play, c'est pas un WT. Oui, c'était au début du Let's Play. Vous aurez pu voir l'histoire. Où on voyait Zelda en train de me jeter un ocarina. Nanana. Je sais qu'une prophétie annonce l'avenir qu'un enfant de la forêt, cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi. Je parle et je ne me suis toujours pas présenté. Je te connais, t'es Zelda, idiote. Quelque nien. Mam. Ouais, je m'appelle Mam. Ça te pose un problème? C'est étrange, j'ai l'impression de te connaître. Ouais, je suis youtubeur, j'ai 160 abonnés. Voilà. Je vais te révéler la légende du Saint-Royaume gardé depuis bien des lunes par la noble étoile, je sais pas quoi. Bon, ne répète ça à personne. Ok, oui. Bordel, elle me prend pour un lâche ou quoi? Voici ce que dit la légende. Bon, elle dit quoi ta légende pourrie? Eh, allez, bordel! Non, je vais pas lire. Tellement pourri ce qu'ils disent. Ok, bon, ça, on a récupéré le truc vert.
entre le truc bleu et le truc violet, c'est ça? Si c'est ça, ben c'est ça. Si ce vœu est prononcé par... Vive les histoires pourries de Zelda. Ah, je me suis acheté Zelda Beating World, les histoires sont pas aussi pourries que ça. Ils sont intéressantes et il y a de l'action. Là, ils disent que de la bouse qui sert à rien. Bon, enfin, continuons. Mais cette histoire me fait plus rire, on peut pas la passer. Ah, voilà, enfin. Nous revenons au château. Bon, dans cet épisode, il n'y aura aucune action avec cette idiote de Zelda qui fait que parler. En effet, le temple du temps est la porte vers le Saint Royaume légendaire. Mais la porte du temps est interdite. L'accès pour ouvrir cette porte, les trois pierres ancestrales sont indispensables. Ok, je vais les récupérer. Ainsi que le trésor de la famille royale, l'Ocarina du temps. D'accord. Ocarina of Time, la traduction c'est Ocarina du temps. Hein. As-tu bien compris? Ne jamais, ne jamais, ne jamais, ne jamais maintenant. Ok, toujours maintenant. Même si on n'a rien compris. Hein. C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire, mais bordel, lâche-moi. Je regardais pas cette fenêtre. Les nuages noirs de mon rêve, je crois qu'ils symbolisent cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Bon, on va le voir. On va regarder. Qui c'est ce mec? C'est Ganon. Tu vois cet homme? Aux yeux noirs de haine, c'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudo, une tribu du désert. Ah, ça sera un des derniers épisodes. Voilà. Mes rêves me font voir de sombres nuages sur Hyrule. Ils doivent représenter cet homme. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. Oui, pour l'instant, il nous ignore, mais on sera l'homme qui va le tuer. Bon, allez, bref. Mais il n'a rien voulu savoir. Nanana. Quoi qu'il en soit, je suis certaine que cet homme nourrit de noirs desseins. Ok. Ganondorf est à la recherche de la Triforce du Saint-Royaume. Je suis sûr. Sa venue jusqu'à Hyrule et en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Ah, dégage avec tes mains horribles! Bam, nous sommes les seuls. Je suis le seul, d'accord? Ok? Merci. J'ai peur, j'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants, mais ta venue est providentielle. Le village Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du temps. Jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les deux autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de consacrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre. Elle te sera d'une grande aide. Ok. Sur cette lettre, on ne peut pas aller au deuxième donjon. On va aller dans un village où il y a des créatures bizarres, hein, qui puent, qui sont obèses, voilà. Ils s'appellent les coraux, voilà. Ah, mais non, casse-toi, par pitié. On va essayer d'esquiver. Cette meuf, c'est pas possible. Bon, tu me veux quoi? Mon nom est Impa, le Sheikha. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Mais j'en ai rien à faire! Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend. Comment tu sais tout ça? Dis-moi juste. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Et comment tu sais c'est moi? Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Mais ta bouche... Arrête de parler, apprends-moi la mélodie. Bon, voilà, vous aurez pu voir que je suis un mec impatient et qui a envie de partir tuer des poules. Retiens cette mélodie. Ok, bon, ça sera la chanson la plus importante. Sans cette chanson, on ne pourra réussir
pratiquement aucun donjon. Voilà. Ah, bordel. Première musique à faire. Première musique qu'on apprend. Par contre, je connais pas les touches. Alors, ça. Ça, c'est gauche. Triangle, c'est ça. Et ça, c'est droite. Ah, voilà. La, la, la. C'est parti pour la chanson. Nous chantons en chœur tous ensemble. Voilà. Bordel, j'ai appris une nouvelle chanson. Alerte. Zelda est en train de nous regarder, regardez. Alors, vous apprenez la berceuse de Zelda. D'accord. Les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. Oui, parce que il faudrait pas que on refasse tout ça, pas que ça faire. Nous y voici. On y est, enfin. On est roi à Hyrule. Petit, tu es courageux. Nous devons te protéger, cette belle terre d'Hyrule. Nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule. Regarde bien cette montagne. C'est le mont du péril, la demeure des Gorons. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je parlais bien d'eux. Ils détiennent la pierre ancestrale du feu. Oui, c'est là-bas qu'il faudra aller. Au pied du mont du péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Oui, Cocorico. On va tabasser des poules, ça je vous le dis. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne. La mélodie que tu t'es enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à trouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant, va, jeune guerrier. Tu dois apporter les pieds au château. Nous comptons tous sur toi. Ok, c'est barré. On va aller au village Cocorico et on va s'arrêter tout de suite ici. Ok. Cet épisode, il y avait rien de très important. Enfin, si, c'était important, l'histoire avec Zelda, mais rien de très... avec beaucoup d'action, voilà. On va juste visiter le village Cocorico, hein. C'est tout. On va aller voir. On va lire le panneau. Alors, village Cocorico, ok. On a la lettre à droite, hein. On va s'en servir, ça va nous servir. Voici le village. Ok, nous y sommes. Ah, une poule. Bon, je suis très énervé contre les poules à cause d'hier. C'est une trop longue histoire. Voilà. Bon, je pense que je suis assez entraîné pour esquiver ces poules de malheur. Voilà. Tu peux crier, je vais tous vous esquiver, bande de nuls. Ah, j'ai rien dit. Bon, on va fuir, j'aurais jamais dû faire ça, je suis idiot, voilà. En fait, c'est que je déteste les poules. À cause de ce Zelda Abitin World. Waouh. Et lui, il se moque de nous. Tranquille. Ah, mais ils nous font perdre un joli cœur, hein. Voilà comment on est accueilli au village Cocorico. Voilà, c'est simple. Faudra qu'on rentre dans une maison au plus vite. On va sauvegarder. Ces poules sont des dangereuses psychopathes. Vite, cours, Link. Si tu tiens ta vie. Bordel. Waouh. Ces poules sont des dangereuses. Ok, bon, on a perdu tout notre PC à cause de mon idiotie. Bonjour madame. Eh petit, c'est la première fois que tu viens ici. Une noble dame impa a créé ce village pour nous. Pauvres paysans. Pour nous, pauvres paysans. Fais comme chez toi. Bon, ils sont tous pauvres ici, hein. Vous aurez pu le voir. Ok. Ce qui est un peu nul dans la Nintendo 64, c'est que tous les trucs qui bougent, eh ben, ils sont de bonne qualité, mais les trucs qui bougent pas, comme ça, sont tous fous. Voilà. Peut-être les sprites. Hein. Alors, bon, alors, ici, il y a un puits qui va nous servir plus tard. Après, bon, je vous fais visiter le village. Hein. Je vous fais une petite visite. Ça vous coûtera 5 likes. Voilà.
On peut monter, ouais. Ici, il faudra monter avec une poule, je pense. Parce que les poules, si on les prend avec nous, eh ben... Simplement, on peut voler un court instant. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une direction pour aller dans un cimetière ici, si je me rappelle bien. Désolé. Bon, voilà. On peut monter sur les toits des maisons, comme Carl. Carl Johnson, de GTA San Andreas, si vous voulez savoir. Dans cette maison, il y a quoi dedans? Mon gamin n'est pas là, pour l'instant. Je crois qu'il traîne du côté du cimetière. Ah, oui. Ça, c'est un petit truc annexe à faire. Donc, ici, c'est pour aller chez les Gorons, simplement. Mais ça sera pour le prochain épisode. Vous verrez qu'est-ce qu'on va faire. Pour l'instant, on va visiter le village Cocorico. On est dans un village, on va pas faire que les donjons directement tout de suite. On va aller visiter les trucs, faire des petits trucs annexes et tout. C'est toujours important de le faire. Parce que c'est aussi un petit... je recommence. Parce que c'est aussi important de le faire. Voilà. Juju Bernard. Travaillez, moi, j'aime pas. Je veux devenir un voleur. Ok, bon, je me tire, là. C'est bon. Ah là là. Le mec, tranquille. J'arrive, je le vois tranquille. Il me dit, oh, moi, j'aimerais bien être voleur. Sérieusement, les Zelda, c'est du bois de jeu. Regardez, un mec en train de courir sur un truc. Un mec qui court comme une femmelette. Bordel, c'est quoi cette ville de taré? Oui, bon, en même temps, là, je tousse, mais c'est pas ma faute, c'est l'hiver. Alors, c'est ici le cimetière dont je vous parlais, vraiment. On va y aller, on va le visiter. L'autre disait que son fils était au cimetière, on va aller le voir. On va aller le voir, on va le parler, regardez. Cimetière. Ok. Ah bon, vous vous demandez les petits bruitages depuis la début de la vidéo. C'est mon petit frère quand je joue à Minecraft. Oui, c'est un accro. Ok, bon. Ah, un cœur. Tout ce qu'on avait besoin à cause de ces poules. Ah, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut porter ça? Oui, on peut porter. Est-ce que j'ai un bocal sur moi? Non, j'ai pas de bocal. Faudra aller dans un autre village. Faudra aller dans un autre village pour avoir ce bocal. Normalement. Ok. Bon, alors là, c'est le petit cimetière. On va aller voir le petit. On va voir ce qu'il dit. J'ai jamais compris l'histoire. On va essayer de la comprendre dans ce let's play. Bonjour. L'exorcisme du fossoyeur est interdite aux enfants. Alors je me balade dans les cimetières en imitant Igor le fossoyeur. Mais avec mon visage, dont je ne suis pas aussi terrifiant que ça, hein. D'accord. Mais tu me veux quoi? Bon, on va essayer de trouver comment la répondre, cette pauvre. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Ah! Voilà. Que dirait Saria en apprenant que nous devons sauver Hyrule? Dirait... Sauve Hyrule! Voilà, c'est tout. Sois sage ou je le dirai à Igor. Ah, ça, il faudra revenir la nuit, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller prendre le carina, on va chanter une chanson. On va voir ce que ça va donner. C'est ça. Voilà. Oui, je sauvegarde. Tac. Alors, c'est ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Non, bordel! On va la faire. Ça casse un peu la tête, la chanson. Hein. Non, bon, ça sert à rien. On verra ça plus tard. Bon, voilà. Voilà. Oh, désolé, hein, c'était une petite discussion avec mon frère qui me disait qu'il fallait faire le chant de Saria. Mais on l'a pas. As-tu déjà rencontré Igor? Il vit dans le cimetière du village. Il est 14h56. Il doit dormir dans sa cabane à cette heure-ci. Pourquoi ne pas te balader sur la plaine d'Hyrule en attendant? Ok. Ah! On va faire un petit mini-jeu avec les poules. Hey, poules! Je vais vous enfermer dans l'enclos. Que dois-je faire? Mes cocottes sont perdues!
Aide-moi, mon petit. Dépose toutes les cocottes dans cet enclos. D'accord, ça marche. Mais t'en as combien, madame? Ah, ça fait du bien jeter ces poules. Clochard. Mes cocottes sont perdues. Il faut 6 cocottes dans l'enclos. D'accord. Il en faut 6 autres. On va tous les chercher. Je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle Volage Cocorico. Il y a plein de poules dedans. Hein. Alors. Là-bas, il y a une poule. On la voit, il faudra passer de l'autre côté. Mince. On va aller dans la porte. Voilà. Peut-être qu'il y a un autre passage pour aller de l'autre côté. Ah! 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 D'accord. Alors, là, ça, c'est important, cet endroit. Tourne et tourne, encore et encore. Quelle fête! Je suis un joyeux musicien qui tourne et tourne et tourne. Danse et tourne avec moi. J'aimerais que tu mâches, que ma chanson du moulin fasse le tour du monde. Tourne et tourne et tourne. Je me rappelle plus de ce qu'il faut faire avec ce petit. Je pense qu'il faut tourner, hein. Peut-être. J'ai compris, il suffit juste d'utiliser son cerveau. Plutôt le cerveau de son frère. Bon, allez. Tourne et tourne. Bon, non, mais qu'est-ce que je fais? Faut utiliser ça. Bah, lol. La chanson, c'est ça. Tout. Tout. Ah, c'est A, bas, haut. C'est A, bas, haut. Mais le bas, comment on le fait? Le bas, comment on le fait? Ah, c'est rond, ok. Je l'ai fait, la chanson! Ok, bon, c'est à faire plus tard. bon, alors. On va sortir d'ici. Bon, on va s'occuper des cocottes, hein. Comme je le disais tout à l'heure. Alors. Ah, on voit une poule là-bas. Oh, ben non, elle est déjà enfermée. Bon, alors. Il nous faut des poules. Des poules. Bon, apparemment, tout dans ce village est à faire plus tard. Donc, on le fera plus tard. Bon, alors, les amis, ce que je vous dis, c'est rendez-vous la semaine prochaine. L'épisode est assez long comme ça. 23 minutes, c'est assez. Allez, on sauvegarde. Et moi, ce que je vous dis, c'est à la prochaine, tout le monde. J'espère que cet épisode vous aura plu. Maintenant, ciao et à la prochaine.